Je porte mes créations et mes costumes tous les jours. Je les porte pour toutes mes activités, que ce soit les courses, les déménagements et autres. Je pense que ce qui importe, c'est de se sentir bien et à l'aise dans un vêtement et ne pas porter des vêtements en fonction du regard des autres. Je suis créatrice couturière et costumière historique. J'ai créé Madame Lucine il y a à peu près plus de 5 ans maintenant, mais ça fait 10 ans que je travaille le projet. Je confectionne un peu tout, du camé au chapeau, au corset, à la robe de mariée, jusqu'au costume historique. Donc je fais des vêtements pour hommes, femmes et enfants. J'ai commencé à coudre depuis, je ne m'en rappelle plus, j'étais tellement petite. C'est plus qu'un métier, je pense que c'est ma vie. Je pense que le côté personnel et professionnel se rejoignent énormément. C'est du matin au soir. J'ai commencé Madame Augustine, je pense, par attrait et par passion de la mode historique et aussi par admiration du travail artisanal d'autan. Il ne faut pas oublier que le vêtement ancien, c'est un vêtement taillé sur mesure. Donc il est fait pour être confortable et il est pile poil à votre mesure. Donc un corset qui est douloureux ou qui fait souffrir, c'est un corset mal taillé tout simplement. Le métier de tailleur, c'est un métier assez compliqué parce que je pense qu'avec le début du prêt-à-porter, c'est un métier qui a perdu énormément de valeur. Ce qui m'attire vraiment dans ce qui est ancien, c'est surtout l'artisanat et la mode. On aurait beaucoup de choses à apprendre sur la valeur qu'ils donnaient aux objets et aux vêtements. Absolument pas pour un retour de la moralité d'antan, je suis profondément attachée à l'égalité des sexes et à cette ouverture d'esprit qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'égalité pour tous et l'équité pour tous. Et je pense pas qu'un retour à la moralité d'antan soit... Enfin pour moi, je le juge pas comme une bonne chose. Thank you.